L'alerte de distance de sécurité vous indique l'intervalle de temps qui vous sépare du véhicule qui vous précède grâce aux informations recueillies par la caméra fixée sur le pare-brise et le radar situé dans le bouclier avant. La fonction vous avertit lorsque l'intervalle est trop court, vous permettant ainsi de conserver une distance de sécurité idéale. Vous pouvez visualiser la distance qui vous sépare du véhicule qui vous précède sur le tableau de bord. Notez que la détection est opérationnelle lorsque vous roulez à une vitesse supérieure à 30 km/h. Si ce visuel apparaît sans véhicule, c'est que la fonction est désormais active, mais qu'aucun véhicule n'est détecté devant vous. Lorsqu'un véhicule apparaît, c'est que la caméra et le radar ont repéré un véhicule devant vous. Si le voyant est vert, alors la distance de sécurité est adaptée à votre vitesse. Plus de 2 secondes vous séparent du véhicule qui vous précède, quelle que soit votre vitesse. Lorsque l'indicateur passe au jaune, cela signifie que la distance observée entre votre véhicule et celui qui vous précède est insuffisante par rapport à votre vitesse. Vous avez entre 1 et 2 secondes pour éviter une collision avec le véhicule qui vous précède. Vous devez immédiatement ralentir pour augmenter votre distance de sécurité. La couleur rouge indique que la distance de sécurité est très insuffisante. 1 seconde maximum vous sépare du véhicule devant vous. Ralentissez ou freinez très fortement. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction depuis votre écran central Open Air Link. Rendez-vous dans le monde Véhicule, sélectionnez Aide à la conduite, puis rendez-vous dans l'onglet Confort. Enfin, choisissez On ou Off pour la distance de suivi. Sachez enfin qu'à chaque démarrage du moteur, l'alerte distance de sécurité conserve les réglages définis lors de l'arrêt du véhicule. Si vous l'avez activée, elle sera donc active au prochain démarrage. Gardez à l'esprit que cette fonction est une aide supplémentaire qui ne doit pas remplacer votre vigilance de conducteur. Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et à votre environnement.